Salut, c'est Yendol pour ce nouvel épisode de Wild Angle. Aujourd'hui, alors concept un peu... Je suis avec Jade. Dis bonjour, Jade. Bonjour. Bonjour. On est à La Réunion, voilà déjà. Instaurons le contexte. Et on est parti pour aller à la cascade du Chaudron. Je sais pas du tout par où on va y aller. Il fait chaud. Je sais pas combien il fait moins 1000 degrés. Et surtout les chemins pour aller à cette putain de cascade. Normalement, on en a pour 4 heures de marche. Et ça s'annonce plutôt physique. Quand on voit la gueule démontée, ça fait plaisir. Bon, à 10 minutes du départ, est-ce que t'as envie de mourir déjà? Oui, mais j'ai déjà très chaud. Sur une échelle de 1 à 10. 42. Non, mais commence pas à 40. 3, 4. Déjà? Mais il fait chaud. Putain, on est pas rendu, hein. Je sors pas de chez moi et là tu me fais escalader la Réunion. Allez, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Tu vas avoir une chiche du surtout. Surtout, c'est encore du bruit ton oiseau mort. Hein? Encore du bruit ton oiseau mort. Non. Je sais pas si t'es bien en plus. Dans mes yeux, t'es bien. Oh, allez, arrête, dégage. Ouais, moi, les chiens errants, pas trop mes bagues. Un vendredi, il n'y a pas de putain de bus. C'est dingue. C'est pas grave, on va faire à pied. Non, mais franchement, je pense que dès qu'on a une ligne un peu droite et qu'on passe pas trop par les petits chemins, on peut tenter de faire du stop. Motivé pour du stop? Ouais. Ouais, ça, c'est à moi qui vais dire non. Ah, lâche l'affaire, hein. Y'a pas de bus, y'a pas de bus. Voilà, je t'avais dit qu'il y avait des bus. Non. Comme ça. Donc là, on a fait vraiment genre 100 mètres de bus. C'est ça. Au revoir. Au revoir. T'es sûr, c'est le terminus? Ouais. Mais tu sais, le stop, ils connaissent pas ici. Hein. Ils connaissent. Je vous rappelle que je suis en courant. De rien, au revoir. Au revoir. Vous allez où? Cascade du Chaudron. Super. Bon, merci, c'est gentil. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de monde qui monte en voiture. Il y a plus de gens qui descendent. Ouais, ben, je pense parce que je travaille en haut. Ouais. Si, ça monte là-haut. Ouais. De la rue, non? Pas du tout. Où est-ce qu'on est, bordel? Avec ta grosse tête là! J'ai dit qu'il reste encore 1h24. Encore? Genre l'école élémentaire elle est là. Ouais. Il aurait fallu tourner là au bout d'un moment. Ah, en fait, il aurait dû nous laisser à l'école. Trop. Ça va, l'école elle est pas loin. Bon, donc en fait, le mec qui nous a pris en stop nous a monté beaucoup trop haut. Au final, on a toujours autant de temps de marche parce qu'il faut faire demi-tour pour retrouver le sentier qu'on devait prendre de base. Sauf que cette fois, c'est de la descente, pas de la montée. Et madame est contente. Regardez, oui. Regardez, on, ça se voit à l'école. Ta gueule, arrête de te plaindre. T'es sûr c'est par là, hein? Bah oui. Bah là ça, on peut pas. Ouais, puis il y a marqué attention aux chiens. Ou bof. Mais les gars, t'es au courant qu'il y a un putain de portail en fait en face de nous? Ah ouais, en effet, ils disent de continuer, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, non, parce que l'autre itinéraire, c'est beaucoup plus long. Vas-y, on escalade. Non. Imagine, il y a des chiens derrière la porte. Bah, fais un petit coup sur le portail, on va voir s'il y a des chiens, ils vont se ramener. On va pas escalader, on est dans un endroit, un pays qu'on connaît pas. Ouais, bon, on connaîtra jamais si on se dit ça à chaque fois. Bon, ok, fin de la vidéo. On est tombé sur les proprios et voilà, vous l'entendez, sur pas mal de chiens qui vont nous obliger à faire un très long détour et qu'on va devoir couper à travers jungle. Oh là là, moi ça me fait stresser ces chiens partout. C'est le seul moyen, sinon il faut repasser par la ville, refaire du stop. Bref, c'est un délire, on n'a pas le temps clairement. Voilà, donc on va tenter un petit
une petite traversée dans la jungle. On va essayer de pas se perdre parce que regardez comme elle est épais. Ça donne pas envie hein. Tu veux passer devant? Bon, eh ben, let's go. C'est bon, tu viens de vérifier, y'a pas de jaguar à l'arrivée. Ça va glisser hein. Ouais bah pas plus qu'avec nous, comprends. Non mais c'est bon, de toute façon au pire on fait demi-tour hein. C'est bon, il est presque passé. Je comprends pas où est-ce que tu veux qu'on passe hein. Bah je sais pas, on va aller tout droit pour rejoindre le sentier de l'autre côté. Mais là face à là où on est, le sentier va vers. Après le sentier il rejoint vers le chemin de la cascade. Ah mais il faut qu'on aille plus à droite. Ouais bah c'est quoi, moi je vais un peu là où je peux aller hein. C'est un peu dense. Mais là c'est impossible à grimper. Arrête, let's go. Oh salut. C'est bon. Il fait ça, bah, t'as d'autres solutions? Tu veux pas passer dans la jungle, tu veux pas passer là où il y a les chiens, il faut bien passer par un moment. J'ai dit, t'aurais dû te mettre sous le jade. Searching to you and the papers gon' fill up itself. So fuck if you cuss when I flex. Fuck I'm not kind of stupid, better send me respect. I think I'm good at fitting bad. Don't be too nice with scavengers, I'm very too bad. Tu vas pas tomber, tu vas à ton rythme. Tu veux que je vienne t'aider? Non, je peux pas, je vais tomber. Tu fais quoi tant que ça bouge pas? Si, ça bouge. C'est qu'à bouger tout à l'heure. Oh, demain on va avoir une de ces chichis. C'est de l'eau de pluie de hier. Ouais, après elle a l'air carrément stagnante. Hein. S'il y a un animal crevé. Bah, ça se serait senti hein, si on avait un animal crevé. Ouais, moi je pense que c'est un peu dangereux quand même. De toute façon, maintenant que t'en as bu une. Ouais. Ok, on arrive. Oh, où sommes-nous? Oh, c'est quoi ce délire? Où est-ce qu'on est? Oh, bon, on a un chemin. Ah, on a rejoint le chemin. Ça mérite un check. T'es trop fort, Yandel, d'avoir retrouvé le chemin dans cette épaisse jungle. Oh, Yandel, d'avoir retrouvé le chemin dans cette jungle. Ah bah merci, Jeanne, c'est plaisir. Ah bon? J'avais pas vu que c'était des ananas. Vas-y, explique avec la main où est-ce que t'as mal. Ah bah, grande sportive dans la main. On fait le topo. En fait, le truc, c'est qu'à la Réunion, les sentiers sur Google Maps, on s'est retrouvés genre en plein milieu de ça et on nous a dit, c'est bon, vous êtes sur le chemin. Donc on s'est vite rendu compte qu'on était perdu. Sauf que là la nuit va tomber, on ne pourra pas revenir de nuit. Meilleur moyen de se perdre, j'ai pas moi Mac, on n'a pas pris d'eau, on est à jeun. Bref, ça sent le plan foireux. Du coup on se dit qu'il va devoir falloir mettre en place une deuxième expédition pour arriver à cette putain de cascade. C'est pas grave, on ne baisse pas les bras, même si elle a l'air sacrément dépité. C'est parce que c'est une casse-couille, c'est tout, voilà. C'est pas grave, on peut pas tout réussir dans la vie. Ce ciel, si c'est pas une belle intro de vidéo ça. C'est parti, deuxième essai. Dès 5h, on vient de se taper un petit sprint pour avoir le bus, au final c'est bon. Normalement cette fois-ci on s'attaque à un autre côté de la montagne. On devrait arriver du bon côté cette fois-ci, donc on espère voir la cascade cachée. Ah oui, cette fois-ci on va y arriver parce que cette fois-ci on a des t-shirts pour les aiguilles. Il est resté des arrêts, il descend bien celui-ci, maintenant il faut qu'on marche 25 minutes, mais c'est quoi ce... 25 minutes dans une vie, c'est quoi Jeanne? C'est pas le temps le fait de marcher 25 minutes, c'est le fait qu'il est 6h30 du matin. Il fait beau, on est content, et on a des super t-shirts pour une jungle.
Et au retour, on se prend des bananes. Hein. Bah, moi aussi, premier caméléon. Un peu déçu. Les couleurs, je m'attendais à mieux. Non, t'inquiète, le départ, attends. Vas-y, vas-y, avance devant. Ça y est, il n'aura pas fallu longtemps pour qu'on soit à nouveau perdu. Ouais, c'est un délire Google Maps ici, ça pue sa mère. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller au feeling. Je crois qu'on est à peu près sur la bonne route. 12 seconds later. Je viens de demander à quelqu'un qui travaille ici. Je lui ai dit qu'on s'était gouré de chemin. Oh, oh, oh. On va suivre ceux qui ont des sacs à dos qui sont là. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Vous allez à la cascade du Chaudron? Non. Pas du tout. Vous savez vers où c'est à peu près? Oui, bah écoutez, faut descendre. Bon, vous avez une voiture là, on n'a pas de voiture. Ah, donc vous êtes à pied. C'est ça. On vient de faire un petit kilomètre avec cette dame. Vous avez dit qu'on était pas du tout au bon endroit, hein, encore une fois. Du coup, on est en route vers le bon chemin cette fois. En tout cas, très gentil cette dame. Voilà, donc ça, c'est la route officielle. Que tous les locaux nous ont indiqué. Ils ont dit, ouais, vous allez arriver sur un chemin. C'est là. Pour des raisons de sécurité, la mairie de la communauté de Saint-Denis interdit toute personne à l'accès du sentier de la cascade du Chaudron. On y va? Oui. Donc, la semaine dernière, on était derrière ça. Et loin, 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 loin. Ah, Jade, oui. Ça te dit on court un peu? Non. Allez, viens, on court. Mais même que moi, quand c'est plat, je tombe. Moi, je te laisse là. Ouais, moi, pas aïe, oh. Ça va? T'as envie? Il m'a dit seul sur tout le chemin, c'est marqué dangereux et interdit. À bout ! Qu'est-ce qu'on s'amuse, bordel ! Ah, je vais mourir. Donc là, pour sauter, je venais de me demander s'il y avait assez de fond. En fait, c'était bah, comme son nom l'indique, un chaudron. Et que bon, bah déjà rien qu'au bord, il y a 20 mètres. Mais alors au milieu, les plongeurs ont jamais atteint le fond. Moi, ça m'a flippé. Et c'est un peu flippant. Thalassophobie. C'est la thalassophobie, faut pas aller là-dedans parce que clairement, c'est pas rassurant. Bon bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur la cascade du Chaudron, ce qu'on recommande. Je pense que la vidéo va s'arrêter là. Si vous passez par la Réunion, super bon spot. Certes c'est illégal et assez dangereux, ne venez pas s'il a plu. Mais ça reste quand même assez joli. Jade, fais-le, t'es dans le camp.
Mais alors petit.